Bonsoir à tous. La secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire est l'invitée d'audition publique, Madame Wargon. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des chaînes parlementaires du Figaro et de l'AFP. Vous êtes également, bien sûr, on le sait, depuis quelques semaines, chargée d'organiser ou de veiller à la bonne marche du grand débat avec votre collègue Sébastien Lecornu. D'ailleurs, vous étiez il y a quelques heures avec les Restos du Cœur. Vous êtes en charge notamment des associations. Hein, oui, je m'occupe plus particulièrement de la mobilisation de la société civile. Et à l'heure du déjeuner, j'étais avec des bénévoles et des salariés des Restos du Cœur, avec Benjamin Griveaux, pour discuter grand débat et situation des personnes en situation de pauvreté par rapport à ce débat. D'accord. Alors, le grand débat sera au cœur de la première partie d'audition publique avec Mathilde Sirot du Figaro. Bonsoir. Et Paul Aubryat de l'AFP. Bonsoir à tous deux. Bonsoir. Les dossiers environnementaux, Madame Wargon, et notamment la question du rythme, d'une transition qui se fait attendre, selon certains. On en parlera tout à l'heure avec Oriane Mancini et Brigitte Boucher de Public Sénat et de LCP Assemblée nationale. Et puis, bien sûr, comme chaque semaine, il y aura, dans une vingtaine de minutes, les interpellations de deux parlementaires, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol et le député LR Robin Reda. Et bien sûr, si vous suivez cette émission sur le Figaro Live, vous pouvez réagir à travers le chat et je me ferai bien sûr, comme chaque semaine, le relais de vos interpellations et de vos interrogations pour notre invité. D'abord, Emmanuel Wargon, est-ce que vous dites assez, stop, après un nouveau samedi de manifestation avec la casse qui va avec, les agressions et les violences? Est-ce que vous dites stop, notamment face à l'antisémitisme qui semble se répandre avec des actes odieux, sinistres, comme on l'a vu dans le 13e arrondissement aujourd'hui, des croix gammées portées sur le portrait de Simone Veil? Mais on n'a pas de mots pour dire ce qu'on ressent quand on voit le portrait de Simone Veil défiguré par une croix gammée. Bien sûr, je dis stop. Bien sûr, je suis atterré, terrifié même par ce retour de la violence antisémite. Et bien sûr, je dis stop globalement aux violences qui s'expriment le week-end. On est maintenant dans le temps de l'apaisement, dans le temps de la construction. Mais on a l'impression que les gens ne comprennent même pas la portée, la violence symbolique et physique de ce qui se passe. Il faut que ça s'arrête. Dire stop, c'est une chose. Et il faut s'indigner, bien évidemment, mais ça ne peut pas suffire. Vous êtes au gouvernement. Quels moyens d'action avez-vous ? C'est bien la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur fait ses opérations de maintien de l'ordre et de maintien de l'ordre public tous les week-ends. C'est aussi la raison pour laquelle le texte sur la loi dite anti-casseur est à l'Assemblée nationale en ce moment. Par rapport à cette violence qui s'exprime maintenant chaque samedi, est-ce que vous avez l'impression que certains partis politiques sont complaisants envers ce qu'on appelle les casseurs au bout de 13 actes des gilets jaunes et des violences qui s'y accompagnent? Est-ce que vous pointez une responsabilité politique dans ces violences? En tout cas, pour moi, il est extrêmement important que tous les partis soient maintenant extrêmement clairs dans la dénonciation du racisme, de l'antisémitisme, de la violence. C'est le cas? Et cesse toute complaisance. Il y a pu avoir de la complaisance au debout de l'échiquier. Pour être clair, et maintenant, c'est plus possible. Oui. Vous dites stop, mais alors à qui vous vous adressez là? Quel parti? Les extrêmes Dites-le précisément. Pour moi, les partis aux extrêmes, certains membres de la France insoumise, certains membres du Rassemblement national ont pu donner à penser qu'ils excusaient une forme de violence sous une forme ou sous une autre. Il faut que ça cesse. Pour autant, le mouvement des Gilets jaunes, il est encore populaire dans l'opinion. Il y a grosso modo encore une majorité de Français qui soutiennent ce mouvement. Est-ce que ça vous surprend après ces violences dont on parlait et malgré le fait que ça fasse désormais 13 semaines que ça dure? Pour moi, il y a deux choses qui sont très différentes. Un soutien aux revendications ou à l'expression de la colère portée par les Gilets jaunes, à savoir la difficulté à joindre les deux bouts, la volonté d'être considéré, respecté. Et ça ne m'étonne pas qu'il reste un soutien populaire. Et la violence, je ne crois pas que les gens soutiennent la violence. Je crois que la violence, c'est un phénomène très limité et je ne pense pas qu'il y ait un soutien public. Mathilde. Comment est-ce qu'on peut continuer comme ça avec chaque samedi des manifestations? D'un côté, un grand débat plutôt policé et à chaque fois des agressions, des actes violents. Est-ce qu'on peut attendre encore comme ça toutes les semaines, chaque samedi? Qu'est-ce qu'on fait pour trouver une issue? C'est toute la difficulté des opérations de maintien de l'ordre. Moi, je voudrais vraiment rendre hommage aux forces de police, aux forces de gendarmerie qui tous les samedis sont sur le pont et qui cherchent
à la fois permettre aux Français d'exercer leur droit de manifestation et à la fois contenir la violence. C'est aussi la raison pour laquelle on est obligé de développer l'arsenal législatif pour trouver la manière d'encadrer au mieux. C'est la fameuse interdiction de manifester, dont on voit bien qu'elle est nécessaire, puisqu'on voit bien que ces manifestations n'arrivent pas à se canaliser par elles-mêmes. On voit par exemple des manifestants qui peuvent se faire filmer toute la journée, pour autant ils commettent des actes de vandalisme. Comment on peut expliquer ça aux Français ? Mais on ne peut pas l'expliquer. Enfin, moi, je suis extrêmement choquée de ça. Autant le droit de manifestation, c'est une liberté fondamentale et chacun a le droit d'exprimer son opinion et d'aller manifester dans la rue s'il considère qu'il ou elle n'est pas bien traité par le gouvernement, par le pouvoir politique. Autant le vandalisme impuni, c'est juste pas acceptable. C'est ce contre quoi on se bat tous les samedis. Est-ce que vous attendez, puisque Paul faisait référence au sondage qui exprime encore une majorité d'opinions de sympathie pour le mouvement, est-ce que vous attendez... Est-ce que vous espérez que l'opinion bascule ? Mais encore une fois, vous estimez que le comédien François Berléand dit plus la vérité que les sondages quand il dit bah, « les gilets jaunes, ils commencent à me faire chier ». Je n'ai pas vu les derniers sondages, donc je ne sais pas comment les questions sont posées. Mais si la question c'est est-ce que vous comprenez le malaise des gens ? C'est le soutien aux gilets jaunes, environ 50% mais les gilets jaunes, c'est beaucoup de choses différentes. Moi, il se trouve que j'en vois beaucoup des gilets jaunes. D'abord, les gilets jaunes, ça n'existe pas vraiment au sens où à chaque fois que quelqu'un a dit qu'il allait ou elle allait être le porte-parole du mouvement des gilets jaunes, la base a dit il n'y a pas de porte-parole, on est différents, on ne porte pas tous les mêmes revendications. Mais moi, je reçois des délégations très régulièrement, en général... lorsque je me déplace en province ou lorsque j'accompagne le président de la République, les gens que je vois ne sont pas violents, sont des gens avec lesquels on a des discussions politiques de fond sur l'exemplarité des dirigeants, sur les impôts, sur des sujets sur lesquels on est d'accord ou pas d'accord. Mais les gilets jaunes, ça n'est pas la manifestation des casseurs, ça n'est pas vrai. Pour autant, depuis 3 mois, des manifestations tous les samedis, des ronds-points qui sont occupés, des phénomènes qui demeurent. Et en 3 mois, malgré les annonces d'Emmanuel Macron, par exemple des 10 milliards d'euros, la situation, elle reste comme elle était. Ça veut dire quoi ? Il faut encore en faire plus ? Il faut annoncer de nouvelles mesures ? Non, mais on a vraiment deux choses qui sont différentes. On a des gens qui se sont exprimés dans les médias et sur les ronds-points. Des gens qui se sont exprimés dans les médias et sur les ronds-points en novembre et en décembre. Et on a maintenant beaucoup d'expressions dans le cadre du grand débat, dans les réunions, dans les contributions, etc. Et donc, clairement, l'expression est en train de se structurer pour devenir des propositions ou des prises à partie, mais dans un cadre, qui est en train de se mettre en place. Alors, et après, on a de la violence. Oui. Les ronds-points, on en a de moins en moins des ronds-points qui sont occupés. On a des gens qui se sont rencontrés sur les ronds-points et qui continuent à dialoguer ensemble. Ce que j'ai vu, par exemple, en Bourgogne la semaine dernière, sont des gens qui se sont rencontrés sur un rond-point, qui n'y sont plus et qui continuent à dialoguer parce qu'ils sont en train de réfléchir politiquement à quelle est leur proposition. À côté de ça, on a quelques centaines, quelques milliers de personnes qui sont violentes et c'est cette violence qu'il faut qu'on arrive à arrêter. Mais ça n'est pas les gilets jaunes, la violence. D'accord. Mathilde. Sur le grand débat, est-ce que ce n'est pas finalement une campagne déguisée ? On est à l'approche des élections européennes et l'opposition dénonce une sorte de Macron show. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? Je réponds que l'opposition dénonçait le fait que le président ne s'adressait pas aux Français dans la période précédente, le fait que le président dialogue avec les Français aujourd'hui. Il est en campagne, le président de la République. On a 6000 réunions locales qui sont enregistrées sur la plateforme. 2500 qui ont eu lieu, à peu près 3500 qui vont avoir lieu. Le président en fait en moyenne une par semaine, les membres de l'exécutif participent à quelques unités. Donc l'immense masse des réunions, et c'est normal et c'est très bien, se fait sans président, sans premier ministre, sans ministre, très souvent sans parlementaire. Mais on voit beaucoup le président de la République. Après, les médias couvrent l'activité du président de la République et c'est normal. Non, c'est un contact. C'est pas une accusation fondée. Le président va au contact des Français. Quand il voit des maires, c'est un contact très républicain. Il y a des maires qui le soutiennent et des maires qui ne le soutiennent pas. Et dans les réunions publiques dans lesquelles il est allé, il y avait des gens qui étaient d'accord avec lui et des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Quand c'était dans la Drôme, il y avait quelques personnes dans la salle, même plusieurs personnes qui portaient des gilets jaunes. Il y a eu un dialogue, c'était un dialogue sans complaisance. C'est normal que le président parle aux Français. On lui a reproché dans la période précédente de ne pas l'avoir fait vraiment. Est-ce que c'est grâce à ce grand débat et justement à toutes ces heures où on le voit à discuter avec les Français qu'il remonte dans l'opinion selon vous ? On voit que les sondages sont meilleurs qu'il y a quelques semaines. Pour moi, il y a à la fois de l'intérêt pour le débat
et une inquiétude sur la suite. Je ne sais pas interpréter la remontée dans les sondages, mais moi, ce que j'entends, ce que je vois, les discussions que je peux avoir avec les uns les autres, les gens ont envie de parler politique. Donc je pense que le débat, ça répond à une demande assez profonde. Et c'est intéressant de voir que dans des réunions très locales, ce ne sont pas les sujets locaux qui sont abordés, ce sont vraiment des sujets nationaux. D'accord. Et l'inquiétude ? L'inquiétude, c'est à quel point le message, les préoccupations, la colère, les interpellations vont être entendues, comment est-ce qu'on saura transformer tout ce que nous entendons en proposition d'action et en action et en programme de gouvernement. Un grand scepticisme sur ce que vous allez faire de toutes inquiétude, ces inquiétude, en tout cas, ou ces doute. Doléances. Qu'est-ce que vous question allez de savoir comment est-ce qu'on va transformer tout ça en action. Oui. Ben alors, et ça me paraît. Vous commencez à le voir, à le savoir. On arrive à mi-parcours, ça fait un mois. On est à mi-chemin du grand débat. Est-ce qu'on peut espérer une espèce de rapport d'étape comme ça? Rapport d'étape. Madame Vargon, on vous écoute. Je vais répondre d'abord à votre question inquiétude et j'arriverai à un rapport d'étape je vous après. Vous rappelez, vous je vous suis pas inquiète. Inquiétude. Je suis pas inquiète. Je dis scepticisme, c'est ce qu'indique inquiétude, les sondages. Inquiétude, scepticisme. Alors. Le président s'est pas mal exprimé dans pas mal de réunions dans lesquelles il était, dans lesquelles il a dit « ce sera un acte 2, ce sera un nouveau moment du mandat et même au-delà, ce sera une réinvention d'une nouvelle forme de démocratie, il y aura des mesures fortes et puissantes ». On n'en est pas encore au contenu. On est à peu près à la moitié du débat, un mois a eu lieu, il reste une deuxième moitié, je vais y revenir. Donc c'est vraiment prématuré de dire bah, « ça y est, on a tout décidé, de toute façon on savait déjà avant ce qu'on allait faire, c'est pas vrai, on n'est pas du tout ». Dans la hiérarchie des demandes. Après, il y a des sujets qui reviennent, il y a des sujets autour de la justice fiscale, donc on sent que ce serait bien qu'on puisse apporter une réponse. Il y a des sujets autour de la manière dont les dirigeants interagissent avec les citoyens, que ce soit les députés, que ce soit les membres du gouvernement, l'exécutif. Moi, je pense que c'est un sujet sur lequel il faudra qu'on apporte des réponses. Il y a la transition écologique. J'y tiens, on en parlera, j'imagine, en deuxième partie. Mais tout à fait. Il y a toujours une demande qu'on avance. Après, il y a une question de savoir comment on fait, sur qui ça doit tomber, comment ça s'accompagne. Bon, mais est-ce que pour vous... Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table, qui sont d'ailleurs essentiellement les quatre thèmes qui ont été mis au débat. Mm-hmm. Il y aura une réponse. Est-ce qu'il y a une injustice fiscale dans notre pays, selon vous? Est-ce que je réponds à rapport d'étape d'abord ou est-ce que... Vous avez la liberté du choix. Non, mais alors, c'est comme vous voulez. Répondez donc, sur d'étape. Pas encore, parce que d'abord, on a passé pas mal de temps à travailler avec les garants pour savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir analyser toute cette matière. On essaiera de pouvoir faire une première restitution quand on créera les conférences régionales citoyennes qui auront lieu en mars. En mars, d'accord. Et qui, avec des citoyens tirés au sort, une par région, donc 13 en métropole et 5 en outre-mer, une dédiée aux jeunes en plus. Donc on aura 19 conférences, elles auront lieu en mars. Et là, je pense qu'on les alimentera avec une première matière issue des débats et des contributions, mais pas avant. Vous parliez de la justice fiscale, de l'écologie notamment, vous ne parlez pas d'immigration, un thème qui a failli à un moment être l'un des thèmes du grand débat. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Quand on parle d'immigration, ça n'intéresse pas les Français ou les Français mettent moins ce thème en avant que ce qu'on aurait pu le croire? Bon, d'abord, c'est toujours dedans parce que si vous regardez les quatre questionnaires, dans le questionnaire qui parle de démocratie et de citoyenneté, il y a des questions sur l'immigration et par ailleurs dans la lettre du président, il y a clairement des questions sur l'immigration. Ce ne sont pas les sujets que moi j'entends le plus, mais je suis allée dans une quinzaine de réunions, donc ce n'est pas non plus un échantillon représentatif. On verra si c'est très fortement exprimé dans les contributions. Si on regarde en masse les contributions qui sont sur le site, on a à peu près 800 000 contributions, un peu plus de 200 000 aux questions dites ouvertes et le reste sur les questions rapides. C'est d'abord la fiscalité et ensuite l'écologie qui ressortent comme les thèmes prioritaires. Donc les sujets démocratie, citoyenneté et à l'intérieur immigration arrivent assez bas en volume. D'accord. Justement, sur la question de la fiscalité et de l'écologie, quel est le devenir de la taxe carbone? Vous êtes en charge de l'écologie, de la transition écologique et solidaire. Est-ce que vous êtes favorable à un retour de cette taxe carbone? Alors, moi, je suis favorable à deux choses. La première, c'est qu'il y a un retour de la taxe carbone dans le débat. C'est-à-dire que cette question soit rediscutée, c'est une question politique. Est-ce qu'il faut faire une taxe carbone? Oui, non. C'est vraiment quelque chose qu'il faut dont on débatte sérieusement. Je vais répondre. Je veux répondre en 30 secondes. Ma deuxième réponse, c'est qu'il faut financer la transition écologique. Moi, je plaiderais très fortement avec François de Rugy, avec Brune Poirson, pour qu'on ait les moyens de financer la transition écologique. Il faut de l'argent public, il faut aussi de l'argent privé. Après, que ça passe par un mécanisme taxe carbone, et dans ce cas-là, cette taxe carbone, il faut qu'on soit clair sur son affectation. Il faut que cette taxe carbone finance
dans son intégralité la transition écologique ou qu'on trouve d'autres mécanismes fiscaux, incitatifs. Ça, je trouve que la question est ouverte. Mais en revanche, on a besoin de ressources pour financer la transition écologique. Elle est devant nous. Reviendra remanier. C'est votre souhait. Mon souhait, c'est qu'on sécurise le financement. Et c'est important. Cette transition écologique, elle aura besoin d'investissements. Pour moi, la taxe carbone est possible si elle est acceptée par tous. Et elle ne peut être acceptée que si elle est intégralement utilisée pour cette transition écologique. Donc, après, voilà. Il y a d'autres manières de faire qu'une taxe spécifique. Bien fléchée cette fois-ci. Un financement, soit une taxe fléchée, soit un financement accepté collectivement. Est-ce qu'on n'en a pas un peu assez des ballons d'essai là, qui sont lancés par le gouvernement, par différents ministres, pas vous, hein, mais là ces derniers temps, je pense notamment à Gérald Darmanin ou d'autres, on nous a parlé d'un référendum, éventuellement le 26 mai, on nous a parlé de taxer les niches fiscales, ce qui est un peu paradoxal, mais finalement le chef de l'État ne serait pas d'accord. Il y a une forme de confusion qui s'est installée, vous ne trouvez pas ? Pour moi, ce qui est important, c'est ce qui remonte du débat. Donc chaque ministre a des convictions, et c'est normal, et vous nous interrogez aussi sur les convictions des uns des autres, et vous me demandez ce que je veux faire sur l'écologie, et c'est normal. Mais on ne siffle pas la fin de la partie avant qu'elle soit jouée. La partie n'est pas jouée, les contributions ne sont pas finies, on a encore plein de réunions qui vont se tenir, on va avoir les conférences en région. Et donc l'important, c'est ce qui remontera. Il est acté, une très large majorité de Français y est favorable. Et toutes les études d'opinion le montrent. Est-ce que faire un référendum serait une bonne idée au cours de l'année 2019, par exemple? Mais ça dépend sur quoi, en fait. Pour moi, la question, ce n'est pas tellement l'objet référendum. La question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de soumettre au référendum? Je voudrais vous répondre fiscale, un peu plus en amont. La justice fiscale, la taxe carbone, est-ce que c'est des sujets qui peuvent être soumis au référendum de manière un petit peu originale? Tout peut être soumis au référendum. Mon point, c'est de vous dire... On est pour l'instant dans une démocratie représentative très classique dans laquelle on a des élections, et sauf cas vraiment particulier, entre deux élections, c'est le Parlement qui décide. Moi, je crois qu'il faut qu'on trouve une manière de s'adresser aux citoyens plus régulièrement. Est-ce que c'est par référendum ? Pourquoi pas ? Est-ce que c'est en inventant quelque chose que les maires ont inventé depuis déjà très longtemps, c'est-à-dire une juxtaposition de travail directement avec des citoyens et avec les élus ? Évidemment, c'est plus facile à faire dans une mairie, dans une commune qui a quelques milliers d'habitants qu'à l'échelle de la France. Mais ça marche bien quand vous avez le conseil municipal d'un côté et un conseil citoyen de l'autre. Donc, pour moi, la question est plus ouverte de savoir comment est-ce qu'on mélange de la démocratie représentative et de la démocratie directe. Et le référendum, c'est une manière très forte de le faire. Il faut choisir le bon sujet. Il faut que ce soit des sujets sur lesquels le dossier a suffisamment mûri pour que la décision puisse être simple et que les avantages et inconvénients puissent être compris de tous. Dernier exemple de référendum qu'on a, c'est le Brexit. On ne peut pas dire que ça ait très bien marché. Donc, ce n'est pas forcément sur tout. Et pour moi, c'est autant ce qu'on met au référendum que le référendum lui-même. Y compris mettre des projets de loi, donc des choses qui ne soient pas forcément constitutionnelles, et ce qui créerait un précédent. Ça, vous pourriez y être favorable. Moi, je suis favorable à ce qu'on invente un truc vraiment nouveau en France avec plus de démocratie directe. Je ne veux juste pas rentrer tout de suite dans... Que soumettre au référendum, et est-ce que plus de démocratie directe, c'est forcément du référendum, ou est-ce que ça peut être autre chose ? D'accord, plus de démocratie directe. Une meilleure association des citoyens en cours de mandat, sous des formes à inventer. En préservant la démocratie représentative. En préservant la démocratie représentative. Mathilde, une dernière question. Madame Wargon, est-ce qu'on peut faire justement ce bilan d'étape ? Combien de Français ont participé au grand débat jusqu'ici ? Combien de débats le président va animer jusqu'à la mi-mars ? Est-ce que vous pouvez nous répondre à ces questions ? Donc, combien de réunions locales ? Je vous dis 6000 réunions programmées. Ça ne nous dit pas combien de Français ont participé à des réunions locales, parce qu'on a des réunions avec 300, 400, 500 personnes, et pas que quand il y a le président. J'étais à la mairie du 15e arrondissement à Paris il y a quelques temps, et c'était une réunion dans laquelle il y avait 500 personnes dans deux salles et 200 personnes qui n'ont pas pu rentrer. On a aussi des réunions petites, moyennes, dans lesquelles il y a 10, 20, 30, 40 personnes, et c'est bien aussi. Donc difficile de dire combien de personnes ont participé à des réunions. 1,6 million de personnes qui se sont connectées sur le site internet, 300 000 qui ont posté une contribution, 800 000 contributions, parce qu'on peut poster une contribution sur plusieurs thèmes. Et le président a participé à une dizaine de réunions, à peu près, c'est l'ordre de grandeur. Il va continuer, combien encore ? Il a annoncé qu'il continuait, je n'ai pas de chiffres et c'est lui qui maîtrise son agenda. Une par semaine en tous les cas. Hein. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est la suite d'Audition publique maintenant avec les deux parlementaires qui font leur entrée sur le plateau.
Avec nous donc Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste de l'Oise, et à vos côtés Romain Reda, député LR de l'Essonne. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Monsieur Reda, vous avez participé d'ailleurs à un grand débat avec des personnalités importantes. Avec des personnalités importantes, avec le président de la République. Avec le Premier ministre aussi. Laurence Rossignol, vous avez participé à des grands débats ? Pas aussi prestigieux. Ah, pas aussi prestigieux, mais quand même, mais vous participez. Une question d'un internaute du Figaro avant de vous donner la parole. Il nous demande, le budget du ministère de l'écologie, c'est 40 milliards, et il prétend qu'il n'y en a que 10 qui servent vraiment l'écologie. C'est ça l'ordre de grandeur ? Non, c'est plus que ça. Il y a une dizaine de milliards juste sur la partie transition énergétique, d'accord, donc les énergies renouvelables. Le budget du ministère, ça doit être 34 milliards. Et la majeure partie des 34 milliards va directement à des politiques environnementales. En lien avec l'objet de votre ministère, la majeure partie. Laurence Rossignol, c'est à vous. Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous êtes prêt, à l'issue du grand débat, et peut-être même dès maintenant, à changer de politique ? Je vous explique pourquoi je vous pose cette question. Et je vais prendre pour cela trois sujets. Le premier, c'est la réforme de la justice. La réforme de la justice, on en parle dans les assemblées, chez les Gilets jaunes, chez les citoyens. En particulier, cet après-midi, il y avait un débat sur l'égalité femmes-hommes organisé dans le cadre du grand débat. Toutes les questions qu'ont posées les femmes qui étaient présentes concernaient la justice, la proximité de la justice. Or, la réforme de la justice met contre elle la totalité des professions judiciaires, ce qui est assez exceptionnel, ce n'était pas arrivé depuis Nicolas Sarkozy, si ma mémoire est bonne, et aussi les justiciables. Et demain, elle va revenir au Sénat, cette réforme, alors que tout le monde est contre. Vous pensez que vous avez raison contre tout le monde. Est-ce que vous êtes prêt à suspendre ? Deuxième sujet, la politique du logement. Est-ce que vous êtes prêt à revenir sur ce que vous avez fait ? Je vais vous donner un exemple dans mon département, Michel Grossier en l'a cité un instant, c'est l'Oise, je crois que vous connaissez un peu aussi. Dans l'Oise, les bailleurs sociaux m'ont expliqué il y a quelques jours qu'en 2019, on allait construire deux fois moins de logements sociaux et réhabiliter deux fois moins de logements sociaux qu'en 2018. On en verra les effets dans deux ou trois ans de ces non-constructions de logements. Est-ce que vous êtes prêt à rendre, d'un certain point de vue, aux bailleurs sociaux les réserves que vous leur avez ponctionnées? Voilà les deux sujets déjà qui sont assez lourds sur lesquels je voulais parler. Et puis le troisième, c'est quand même ce qui fait aussi l'unanimité contre vous, en particulier au Sénat, c'est la privatisation d'ADP. Parce que je partage avec vous, je vous écoutais il y a un instant, l'idée que les Gilets jaunes, c'est très varié. Voilà. Et les gens qui les soutiennent aussi sont variés. Dire les Gilets jaunes, c'est un peu comme dire les Américains. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand même, il y a des points communs. Et dans ces points communs, il y a une résistance à l'ultralibéralisme. Ça, c'est présent à peu près chez tous les Gilets jaunes. Alors, réponse. Et donc, la privatisation de l'ADP, c'est vraiment du dogmatisme libéral, puisque vous êtes arrivé au Sénat à faire l'unanimité droite-gauche, LR et tous les groupes, contre la privatisation de l'ADP. Et je pense que nous avons raison de vous mettre en garde contre la manière dont aujourd'hui vous dilapidez, d'un certain point de vue, des outils publics indispensables. Alors, trois réformes contestées pour vous demander de changer de politique. Alors, sur la question générale, est-ce qu'on est prêt à changer ? Oui, je crois qu'on est prêt à changer, à prendre en compte la parole des Français telle qu'elle va s'exprimer dans ce débat. Et nous sommes rentrés aussi avec une question très ouverte sur le service public de proximité. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à un besoin légitime de service public de proximité ? Ensuite, sur vos questions particulières, sachant que je ne suis pas une spécialiste de ces trois réformes. Pour la privatisation d'ADP, je crois que la question, elle est autant dans le comment que dans la justification. La justification, elle est simplement liée au fait qu'à un moment, on a besoin de concentrer les investissements publics dans des investissements qui sont des investissements de rupture qui nous permettront de développer l'économie de demain et qu'on n'a pas forcément intérêt à garder des rentes dans des entreprises qui sont matures. En revanche, on est prêt à tirer les leçons des privatisations dites sèches précédentes, je pense aux sociétés autoroutières, pour que dans la manière de faire, dans le cahier des charges, dans les obligations qu'on imposera aux futurs opérateurs, dans la capacité à garder la main ou à la reprendre, on soit plus armé que ce qu'on a pu être dans les épisodes précédents. Sur le logement, il me semble que la question à laquelle on a répondu dans la période précédente, c'était aussi toutes ces réserves des opérateurs qui n'étaient pas utilisées. Et du coup, il faut qu'on trouve le bon équilibre entre l'utilisation de réserves qui permettent d'activer et la capacité de ces opérateurs à continuer à construire. On a toujours un objectif de construction de logements. Enfin, sur la réforme de la justice,
De ce que je comprends de ce sujet, dont, je le redis, je ne suis pas une spécialiste, on cherche plus à spécialiser par compétence les tribunaux d'instance qu'à éloigner le tribunal du justiciable. Je crois que c'est dans cet esprit qu'on est prêt à continuer à travailler. Robert Reda. Madame la ministre, avant de venir aux questions fiscales, je voudrais revenir sur le grand débat. Le grand débat, vous l'avez dit, en France en ce moment, c'est un succès auprès des Français qui s'en emparent au plus près du terrain, sans président de la République, sans Premier ministre, sans ministre, et qui effectivement essayent de faire vivre des propositions concrètes qui émanent de leur vie quotidienne. Et puis à côté de ce grand débat, il y a le grand meeting national d'Emmanuel Macron. J'en ai assisté à un la semaine dernière. Vous avez l'impression d'assister à un meeting ? Un meeting électoral où en fait Emmanuel Macron, et c'est bien là qu'on comprend qu'il ne changera pas de politique, ne passe son temps qu'à justifier les mesures qu'il a prises depuis un an et demi à la tête de l'État, à justifier le cap économique qu'il s'est fixé et ne veut corriger qu'à la marge, en réalité, les dispositifs sur lesquels on l'interpelle. Et ça, c'est très grave parce que non seulement Emmanuel Macron, dans ses réunions, en filigrane, se présente comme moi ou le chaos, et ça, c'est très grave parce que nous aurons le chaos si Emmanuel Macron continue d'annihiler toute opposition et toute contradiction. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est que vous êtes l'incarnation de ce nouveau monde d'Emmanuel Macron. Vous venez du monde de l'entreprise. Et Emmanuel Macron, dans cette campagne qu'il mène auprès des Français, dans ce grand débat, on a l'impression qu'il n'a qu'une obsession, c'est sa réélection. Est-ce que c'est moderne, ça, de ne vouloir que sa réélection et pas le bien-être des Français ? Alors, vous comprendrez que je ne partage pas ce point de vue. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, au contraire, moi, j'entends un président assez ouvert sur la majeure partie des sujets. Je vais prendre l'exemple emblématique des 80 km/h. Il a quand même dit, il l'a dit dans la Drôme, que peut-être qu'il fallait qu'on revoie notamment une application beaucoup plus localisée, que ça ne soit plus une norme France entière, mais qu'on puisse rediscuter au plus près des territoires, département par département, de la manière dont on applique ça. Donc pour un sujet qui était présenté comme un sujet politique extrêmement fermé... Non mais là, ce n'est pas le fondement de la politique menée là, qui est contesté sur ce plateau. Ce n'est peut-être pas le fondement de la politique menée, mais c'était un sujet qui était... C'est vrai qu'on a entendu le chef de l'État, son premier ministre, ou le ministre de l'Économie dire encore ce week-end les réformes annoncées vont avoir lieu. C'est un peu l'interpellation. Vous déroulez en ce moment. Les textes sont dans l'Assemblée, dans le Sénat. Vous déroulez pendant que les Français, pendant les travaux, la dérégulation continue. Pas vraiment. Il y a beaucoup de textes qu'on a arrêtés ou retardés. La réforme institutionnelle, par exemple, la réforme constitutionnelle des institutions, et c'est normal, on ne peut pas discuter d'une réforme constitutionnelle en même temps qu'on discute de la démocratie et de la citoyenneté. Elle a été reportée. La loi sur les mobilités, qui devait passer tout de suite, les transports, comment est-ce qu'on revoit les transports, comment est-ce qu'on organise mieux les choses pour que des transports de proximité puissent se mettre en place, cette loi, elle est aussi un peu décalée dans son calendrier pour que les conclusions du grand débat arrivent au bon moment. Au contraire, on a plutôt regardé sujet par sujet ceux qui étaient vraiment touchés par le débat, pour lesquels on a plutôt décidé de décaler. Après, il y a des textes qui avaient été... On est préoccupé par sa réélection, on décale les réformes importantes. Mais vous ne pouvez pas à la fois me dire vous décalez, enfin vous déroulez ou vous décalez. Il est préoccupé, donc il justifie. Il est préoccupé, donc il avance ou il avance pas. Il y a un moment, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas non plus nous dire qu'on est incohérent. La réforme constitutionnelle, le gouvernement n'était pas prêt et le climat n'était quand même pas favorable à dérouler une réforme constitutionnelle. Mais n'empêche qu'elle avait été annoncée en janvier. La loi sur les mobilités, on est presque. Enfin, on l'attend, la loi sur les mobilités. Les Français l'attendent. Alors, j'imagine que vous allez l'enrichir, que vous allez l'enrichir à part le grand débat. Ce n'est pas les échos que j'ai sur aujourd'hui. La loi sur la mobilité, les moyens qui y sont donnés, il y a un manque de moyens sur cette loi. Peut-être que d'ici le grand débat, vous allez trouver les moyens de la loi. Mais moi, sur ce dont on vous a parlé, et je partage un peu le point de vue de mon voisin sur l'objet du grand débat, parce que j'ai le sentiment que le président de la République, et j'en suis désolée pour vous personnellement qui êtes très investi dans le grand débat, est en train d'asphyxier le grand débat, il est en train d'étouffer. Ce grand débat, c'est en train de devenir le grand oral. On a l'impression que le président de la République passe le grand oral toutes les semaines devant les Français. Et ce qu'il y a de mieux qu'à l'ENA, c'est que là, il est filmé et retransmis. Donc, vous n'allez pas lui reprocher une forme de talent Juste répondre à Michel Grosfion un instant. Vous savez, c'est bien qu'il fasse une performance, mais ce dont les Français ont besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un président qui sait faire des performances quasi sportives. Ce débat, la manière dont il se comporte dans ce débat, c'est devenu une performance sportive. On en est content. Ce n'est pas exactement le sujet qui est posé aujourd'hui dans le pays. Bon, alors, je vais essayer de répondre rapidement, mais je vais quand même essayer de répondre. D'abord, la participation du président, elle a commencé à partir d'un engagement de voir les maires.
Parce que je vous rappelle que les premières réunions que le président a organisées, c'était des réunions avec les maires. Et cette promesse avait été faite même avant le lancement du débat, parce que la critique précédente était pas assez de considération pour les élus locaux, les élus de terrain, et donc il s'était engagé à aller en région voir les maires. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Forcément, les maires posent plein de questions, des questions liées à l'exercice du mandat de maire, autour des normes, des dotations, etc., et des questions plus citoyennes, et donc les deux exercices se sont rencontrés. Après, il a été critiqué sur le mode « il voit des maires, mais il ne voit pas des vrais citoyens », entre guillemets, même si les maires de petites communes et les vrais citoyens, ce n'est pas forcément extrêmement différent, mais il voyait les maires escalités. Enfin, c'était la critique de Laurent Wauquiez. Donc, il a participé à quelques réunions, en particulier celle dans la Drôme, des réunions ouvertes au public. Progressivement, les formats vont être modifiés. Et encore une fois, certes, ces réunions sont très médiatisées, mais pendant ce temps-là, il y a plein de réunions partout avec des gens qui réfléchissent. Donc il y a d'un côté un exercice où le président retourne au contact et de l'autre un exercice de débat et de consultation. Après, sur l'évolution de la politique, le président a été élu sur une vision et sur un programme économique. Et il est aussi interpellé sur ses choix et donc il explique ses choix. Mais je voudrais vous redire que je sens une volonté très forte de prendre en considération ce qui sortira du débat. Et pour aller peut-être sur un sujet qui est un sujet polémique, qui est l'ISF, il a été dit, le président l'a dit, le gouvernement l'a dit qu'on ne reviendrait pas sur l'objet ISF. Mais le président a aussi dit, le Premier ministre aussi, que la question de la justice fiscale était mise au débat et que peut-être que ce serait une autre réponse qui sera apportée à la même question de la justice fiscale. Donc il faut séparer la justification de certaines décisions et la capacité à entendre des messages que peut-être on n'entendait pas suffisamment dans la période précédente et qui ont été portés très fortement, vigoureusement parfois par les Gilets jaunes. Donc vous nous dites qu'effectivement il faut faire payer plus les hauts revenus. Je vous dis que la question de la justice fiscale, elle a été posée. Moi, j'ai pris une position personnelle qui est de dire que je pensais que ça pouvait avoir du sens de rajouter une tranche à l'impôt sur le revenu, ou en tout cas qu'on pouvait se demander comment est-ce que l'impôt sur le revenu pourrait contribuer plus à la justice fiscale. C'est une position personnelle, donc ça n'est pas un ballon d'essai du gouvernement pour répondre à votre question précédente. C'est vraiment ce que je pense. D'accord. Mais au-delà de ce que je pense, qui n'est pas très intéressant, ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui va se dire dans le débat. On accepte le fait que peut-être qu'il faudra répondre sur cette question. Vous avez envie de répondre là-dessus ? Moi, je voudrais revenir Peut-être Robert Reda. Je suis d'accord avec vous sur une chose, Madame la Ministre, c'est que le grand débat national, il ne vous exonère pas de continuer l'action au service des Français. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate, parce que l'origine de cette crise des Gilets jaunes, c'est bien une crise du pouvoir d'achat et de la fiscalité, et notamment une crise de ces classes moyennes qui payent toujours plus d'impôts, de taxes, de cotisations, et qui finalement estiment ne pas avoir assez en retour, notamment en termes de protection sociale, une protection sociale qui leur bénéficie de moins en moins. Et c'est une réforme total du système fiscal qu'il faut effectivement mener, au-delà d'une position personnelle de vous ou de M. Darmanin ou du président de la République. Il faut remettre à plat ce système fiscal. Cette discussion. Pardon, Madame la Ministre, pourquoi il faut le remettre à plat? Parce que la Cour des comptes est venue nous expliquer la semaine dernière devant la représentation nationale que la France était dans le rouge, qu'elle explosait tous les compteurs du déficit, de la dette. Et plus de dettes, plus de déficits, c'est demain fragiliser les classes populaires et les classes moyennes, parce que la première récession venue, notre pays ne pourra pas faire face. Et il ne peut pas faire face. Non, on n'est pas tous d'accord. Parce que l'engagement du président de la République, et l'action qui doit continuer, c'est la baisse du déficit public, la baisse des dépenses publiques pour baisser les impôts, en particulier des classes populaires, des classes moyennes. Et malheureusement, ce que l'on constate, c'est un dérapage de nos finances publiques, plus 44 milliards de dépenses publiques depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est plus que la dépense publique qui s'accroissait sous le mandat de M. Hollande. Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les réformes structurelles ne sont pas faites pour améliorer la vie quotidienne des Français. Il n'y a pas de baisse de la dépense publique et il n'y a pas de baisse des impôts en vue. Vous dites vous-même que vous voulez rajouter des tranches à l'impôt sur le revenu, supprimer des niches fiscales avec M. Darmanin. En réalité, ça s'appelle augmenter les impôts et ce sont les classes moyennes qui seront les premières touchées. Moi, je ne veux pas faire le débat fiscal ce soir, mais je voulais revenir sur une phrase que vous venez de prononcer et qui, à mon sens, est un des malentendus qui explique la difficulté de la situation dans laquelle nous sommes collectivement. Vous avez dit que le président Emmanuel Macron était élu sur une vision et un programme économique. Non. Il a été élu pour faire barrage à l'extrême droite.
j'ai voté Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle, malgré les grandes inquiétudes que j'avais sur son programme économique et social. Mais parce que je pensais que c'était important de faire un barrage à l'extrême droite. Vous referiez la même chose demain, puisqu'il y a eu des sondages là, récemment de Marianne ? Probablement. Non, mais vous n'êtes pas sûr ? Le dire aujourd'hui, non, oui, je leur ferai la même chose, parce que je l'ai fait, je n'ai pas douté, et même je l'ai fait faire en 2017. Bon. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que le malentendu, il est terrible. Vous faites d'un certain point de vue la même erreur que celle qu'avait fait Jacques Chirac en 2002. C'est de croire que quand on est élu au second tour pour faire barrage au Front National, on peut dérouler derrière toute la politique, en l'occurrence en ce qui vous concerne, libérale que vous déroulez. Or, ce n'est pas ça que les Français ont voulu. Et vous ne cessez de répéter à longueur de temps, nous avons été élus pour faire cette politique-là. Non, vous avez été élus pour faire barrage au FN, et ce qui nous inquiète, c'est qu'on pense que, on craint que la politique que vous menez ne conduisent à renforcer encore davantage une opposition d'extrême droite et à faire de l'extrême droite la seule alternative. Et je sais bien que c'est un petit calcul politique pour 2022. Je veux dire, des gens comme moi, Michel Grosson, viennent me poser la question « Et alors, vous ferez quoi au deuxième tour entre le Front National et Emmanuel Macron ?» Eh bien, très probablement, j'y retournerai la corde au cou et je remettrai mon bulletin à Emmanuel Macron. Et l'idée que vous pensez à ça, que vous calculez ça et que vous misez là-dessus est extrêmement dévastatrice pour le climat du pays, et en plus très risqué sur le résultat de 2022, parce qu'il n'est pas dit qu'une majorité de gens qui fassent comme moi. Et si on faisait ça, on ne se serait pas lancé dans cette opération de consultation et de débat général sur des sujets qui sont des sujets assez forts et qui sont des sujets au cœur du débat citoyen. D'une certaine manière, la crise des Gilets jaunes nous a amenés à cette consultation dont il n'y a pas vraiment d'équivalent sous la Ve République, et qui amènera à modifier, infléchir, enrichir, je ne sais pas quel est le bon mot, la trajectoire de réforme du gouvernement. Et ce sera un nouvel acte du gouvernement et du quinquennat. Donc c'est bien la preuve que le président a accepté l'idée de retourner au contact, d'écouter la parole des Français. Vous faites un calcul politique, j'ai entendu. Oui, mais je ne suis pas dans ce calcul et du coup, moi, je vous explique comment je vois les choses. Faire monter l'extrême droite pour être assuré d'être réélu, c'est ce que je comprends. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ça commence par détruire tout ce qui est entre l'extrême droite et Emmanuel Macron. Il n'y a pas que nous, il y a les corps intermédiaires, il y a les syndicats, il y a les médias, tous les corps intermédiaires, tous les contre-pouvoirs sont mis en cause depuis juin 2017, constamment. C'est ce que j'évoquais quand je disais qu'Emmanuel Macron essayait de se penser en lui ou le chaos, et ce sera le chaos pour la France, parce qu'Emmanuel Macron ne sera pas l'alternative à Emmanuel Macron. Et en réalité, il faut demain qu'il respecte davantage les oppositions. C'était un premier pas avec la loi casseur qui vient, la loi anti-casseur plutôt, qui vient du Sénat, qui a été proposée par Bruno Retailleau et qui a été votée quasiment dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, si j'avais une question sur cela, c'est est-ce que vous êtes prêt à la soutenir jusqu'au bout ? Parce qu'on se dit que certains de la majorité LREM voudraient détricoter ce texte. Finalement, on a l'impression qu'ils n'ont pas tiré les enseignements de la montée de violence que vous évoquiez tout à l'heure et qui nous inquiète tous. Et la réalité, c'est que vous devez davantage écouter l'opposition, les bonnes propositions, celles qui permettront de pacifier la vie des Français et d'améliorer la vie des Français. Sur le processus législatif, moi je dirais juste une chose qui est, j'ai défendu une loi à l'Assemblée nationale il y a environ 3 semaines, 1 mois, sur un sujet dans mon ministère de la transition écologique, et on est arrivé à un vote en première lecture dans lequel j'ai eu 0 vote négatif, donc des votes pour de la majorité, des abstentions de ceux qui ne sont pas dans la majorité. Donc moi je suis assez convaincue que le travail parlementaire, au plus près, en regardant sujet par sujet, amendement par amendement, peut mener à un consensus, et que c'est mieux d'aller jusqu'au bout de cette logique. Sur la loi, évidemment, c'était une loi plus technique sur la biodiversité, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Sur la loi dite anti-casseurs, le gouvernement a pris ses responsabilités, elle a été examinée par le Sénat, elle a été votée à l'Assemblée nationale. On cherche le bon équilibre, c'est une loi importante, avec des sujets graves, parce que ce sont des sujets qui mettent en cause les libertés publiques, donc on cherche vraiment le meilleur équilibre possible entre la capacité à maintenir l'ordre et les libertés publiques. Mais ce texte a été adopté par la quasi-totalité, moins 50 des députés de La République En Marche. Bon, et sur le calcul politique, répondez d'une phrase et on va. Mais j'ai pas envie de répondre à ce calcul politique. Moi, je fais pas la politique du pire. Je suis pas rentrée au gouvernement pour ça. J'essaye avec sincérité d'animer ce débat auquel je crois. Et je suis assez convaincue qu'on sera capable d'écouter la parole des Français quand elle sera structurée. Voilà pour cette partie échange.
échange. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir dans l'audition publique ce soir face à Emmanuel Wargon, que nous allons interroger maintenant sur la transition écologique. Merci. Bonsoir Brigitte Boucher, Oriane Mancini, merci d'être avec nous comme chaque semaine. Une question d'un internaute du Figaro. Bonsoir. Vous avez dit il y a un instant effectivement qu'Emmanuel Macron qui tient le micro pendant des heures, ça lui donne une présence médiatique impressionnante. Mais est-ce qu'elle est déséquilibrée du coup par rapport aux autres partis? Est-ce qu'il faut que le CSA remette de l'ordre, intervienne? Est-ce qu'il faut que les médias comptabilisent le temps de parole du chef de l'État? D'abord, les médias sont libres, donc je ne me prononcerai pas sur comment est-ce que les médias utilisent leur temps de parole. Et après, il y a un CSA ou leur temps d'antenne, il y a un CSA, c'est son métier, il fera son métier, ce sera très bien. Oriane. Après le départ de Nicolas Hulot du gouvernement, c'est l'un de ses proches, le député Mathieu Orphelin, qui a quitté le groupe La République En Marche la semaine dernière. Est-ce que ces départs sont l'illustration du renoncement d'Emmanuel Macron à l'écologie? Moi, je regrette le départ de Mathieu Orphelin, je l'ai dit. En fait, la transition écologique, c'est un sujet qui est vertigineux dès qu'on le regarde, parce que l'urgence est gigantesque. Et en plus, cette urgence, elle a été dénoncée depuis maintenant très longtemps. Tous les discours, y compris du président Chirac, et pendant que cette urgence est dénoncée, on voit le réchauffement climatique qui s'accélère. Donc l'ampleur de la tâche est gigantesque. Après, face à cette ampleur, moi je crois que notre mission c'est d'agir le plus vite possible, le plus fort possible, et que quand on a la possibilité d'être dans l'action... Alors Mathieu Orphelin dit que les avancées sont insuffisantes, notamment sur les enjeux climatiques, les enjeux écologiques. Mais les avancées seront toujours insuffisantes, ce n'est pas une raison pour ne pas se battre. Bien sûr qu'on peut toujours faire plus, mais François de Rugy, le ministère... Oui, je dis que d'une certaine manière, quand le combat est là, il faut se battre. Emmanuel Wargon qui avait renoncé quand on voit que la production d'électricité, la part du nucléaire dans la production d'électricité, vous l'avez décalé de 10 ans. Quand on voit que les réacteurs nucléaires, il n'y en aura que deux qui seront fermés à Fessenheim pendant le quinquennat. Est-ce que tout ça, finalement, ce n'est pas des renoncements? On peut parler du glyphosate, on peut parler de tous ces sujets, sur tous les sujets. Vous avez décalé la date. Parlons-en. Même les couverts en plastique. Ça m'intéresse d'en parler. Il faut sortir d'un système dans lequel on vote des textes et après plus personne ne s'intéresse à comment on applique les textes. Et après, quand on arrive et qu'on essaye de mettre en œuvre les décisions, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Je vais prendre Fessenheim pour commencer. Fessenheim, c'est la première centrale nucléaire dont on va fermer les réacteurs. Ça a été décidé il y a longtemps. Il ne s'était rien passé, ni avec EDF, ni sur le territoire de Fessenheim. C'est ce gouvernement... À son arrivée, je voudrais saluer l'action de mon prédécesseur Sébastien Lecornu, qui a commencé à regarder précisément, mais ça veut dire quoi fermer Fessenheim? Comment est-ce qu'on négocie avec EDF? Comment est-ce qu'on bâtit un projet de territoire? Comment est-ce qu'on reclasse les personnes concernées? Comment est-ce qu'on remet de l'activité économique? Donc Fessenheim, on a signé le projet de territoire avec François de Rugy il y a une semaine. Les deux réacteurs ferment en mars 2020 et en juillet 2020. On a obtenu un appel d'offres validé par la Commission européenne pour remettre du photovoltaïque uniquement dans le département concerné. EDF s'engage pour mettre en place un technocentre pour le démantèlement. Il y a tout un projet avec une vingtaine d'actions transfrontalières. On l'a mis dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Mais donc si enfin, les centrales sont vétustes, tant chose. Pis, finalement, elles attendront, même si les centrales sont vétustes Je ne crois pas avoir dit « elles attendront ». Je vous explique qu'on rend vraiment possible, matériellement possible et réel, une fermeture qui a été annoncée il y a bien longtemps et dont personne ne s'était jamais occupé. Mais 14 réacteurs fermeront d'ici 2035, ça veut 2020. Dire deux seulement sous le quinquennat. Les autres attendront plus tard. On se demande quand même pourquoi vous attendez aussi longtemps. Mais ça s'anticipe tout ça. La programmation pluriannuelle de l'énergie à laquelle vous faites allusion, elle prévoit la trajectoire pour arriver à 50% de nucléaire en 2035. Oui, dans la loi, il y avait 2025. Cet horizon sera tenu 2035. 2025, c'est même pas techniquement possible aujourd'hui. Donc on refait une trajectoire possible. Et la grande différence entre cette mandature, ce gouvernement et les précédents, c'est qu'on travaille sujet par sujet pour que ça se produise. Sinon, c'est trop facile de voter une date et puis d'après de laisser tomber et se dire ça aura lieu ou ça n'aura pas lieu, mais de toute façon, ce sera les suivants qui seront les affaires. Une opinion personnelle, finalement, le nucléaire, pour vous, il a du bon. Parce que j'ai vu que jamais la France, l'an dernier, n'avait produit une électricité aussi peu carbonée. C'est aussi l'un des objectifs de votre ministère. Est-ce que donc vous considérez que les centrales nucléaires les plus récentes, je ne parle pas de Fessenheim, ou les projets d'avenir, je pense à l'EPR, ont une raison d'être sur le territoire français?
Moi, je suis à l'aise avec l'objectif que le gouvernement s'est fixé d'aller à la moitié de notre électricité produite à partir de nucléaire en 2035. Vous ne répondez pas à ma question. Bah, si, ça veut dire que je considère que c'est légitime de garder du nucléaire à hauteur d'environ la moitié dans le mix énergétique. En 2035, on verra où en sont le reste des énergies renouvelables, si on sait aller encore plus bas. Sachant que le nucléaire a l'avantage, comme tout le monde sait, de ne pas émettre de gaz à effet de serre et que le nucléaire a plein d'inconvénients, dont la question de savoir ce qu'on fait des déchets nucléaires et comment est-ce qu'on gère le démantèlement. Donc il n'y a pas de source d'énergie parfaite et c'est le mix qui est, à mon avis, la bonne solution. Vous parlez des énergies renouvelables, elles représentent aujourd'hui 16% de la consommation d'électricité en France. Bruxelles a fixé un objectif, 23% en 2020. Est-ce que vous pensez que la France pourrait atteindre cet objectif? Bon, on est sur une trajectoire ambitieuse. On met beaucoup d'argent sur les énergies renouvelables, sur le solaire, sur l'éolien en particulier, aussi sur la méthanisation. L'éolien, je pense qu'on a une vraie question d'acceptation paysagère, d'acceptation sur les territoires. Je pense qu'il faut qu'on y prenne garde et qu'on trouve la manière de continuer à développer l'énergie éolienne, mais en comprenant les préoccupations. Mais oui, on a la capacité à installer, les technologies sont de plus en plus matures et on a les financements qui vont avec. Vous récusez l'idée d'un échec, hein, comme le prétend pourtant le député démissionnaire du groupe majoritaire, M. Orphelin. Mais le succès, il va falloir l'attendre combien de temps ? Et pour moi, c'est une bataille qui se gagne étape par étape, pour haie après haie. Je voudrais prendre la transition agricole, parce que pour moi, c'est un sujet... Mais il n'y a pas de victoire finale. Les écologistes vous ont quitté depuis 18 mois. Soit ils ont rejoint le groupe Territoire et Liberté, soit Nicolas Hulot est parti, Mathieu Orphelin maintenant. Vous n'avez plus d'écologistes, finalement, à vos côtés. Comment vous analysez ça? Vous ne vous dites pas quand même que vous êtes passé à côté du Make Our Planet Great Again? Je me dis qu'on a une ambition qui est très forte, pour laquelle on se bat tous les jours. Et il reste des députés qui viennent de l'écologie. Je pense à Barbara Pompili, par exemple, qui est toujours là, qui est présidente de la commission développement durable. Et puis le ministre d'État en charge de la transition écologique et solidaire, François de Rugy, il a un engagement écologiste depuis longtemps. Est-ce que vous battez contre d'autres ministres à Bercy, par exemple? Je voudrais juste finir sur l'agriculture avant de parler de Bercy, parce que c'est aussi un point important. Parce qu'en fait, c'est la même question. C'est comment est-ce qu'on passe de « il faudrait, mais on ne sait pas comment faire » à « on fait la transition ». La transition agricole, elle nécessite d'avoir moins de pesticides, elle nécessite de partager l'eau différemment, elle nécessite de mobiliser beaucoup plus les agriculteurs pour imaginer une agriculture plus durable, qui épuise moins les sols, le bio étant une solution, mais pas que, il y a aussi d'autres formes d'agriculture durable. Ça se fait en travaillant à partir de solutions concrètes, d'exemples. Donc ça se fait avec les agriculteurs, et on a été beaucoup questionné sur l'interdiction du glyphosate. La France a été celle qui a poussé l'Europe pour avoir une réautorisation uniquement pour 5 ans et pas pour 15 ans, et on s'est donné un objectif politique qui n'a pas été mis dans la loi, on nous l'a reproché à l'époque, de sortir du glyphosate en 3 ans. Et si on y arrive, Macron a dit dans la Drôme qu'en fait ce n'était pas faisable. Un renoncement de plus. C'est pas un renoncement, c'est un objectif politique de sortir aussi vite que possible. C'est pas un cadeau à la FNSEA avant le salon de l'agriculture, ça ? L'objectif, c'est d'aller à 100% en 3 ans. Si on dit peut-être que ce sera 80 ou 85 ou 90%, c'est pas un renoncement, c'est juste expliquer qu'il faut qu'on passe les étapes les unes après les autres. L'important, c'est qu'on en sorte. Si c'est 3 ans et demi, moi je préfère un gouvernement qui s'engage à sortir du glyphosate en 3 ans, et on se donne l'objectif en 3 ans, peut-être que ce sera 3 ans et demi, peut-être que ce sera 4 ans, mais on le fait, versus toutes ces normes qui sont votées un jour, qui ne sont jamais appliquées, et 5 ans après, on regarde, on se dit, bah non, on ne savait pas faire, et on vote la norme d'après. C'est pas un cadeau politique à la FNSEA, juste avant le salon d'agriculture? C'est la volonté d'arriver à trouver la solution avec les agriculteurs et pas contre eux. Vous ne changez pas l'agriculture sans les agriculteurs. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Michel parlait des divergences avec Bercy. Vous avez notamment une divergence avec Bruno Le Maire sur la vignette critère 1. C'est la vignette pour les véhicules les moins polluants. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui, il veut apposer cette vignette aux véhicules diesel récents pour soutenir la filière, pour préserver les emplois. Vous y êtes hostile. Qui va gagner cet arbitrage? Le ministère de l'écologie, on est tous alignés. François de Rugy, Elisabeth Borne, Brune Poirson et
et moi, on dit tous, c'est une décision scientifique. Critère 1, c'est les véhicules les moins polluants, tout polluant confondu. Si on arrive à démontrer que le diesel atteint les critères, pourquoi pas? Ce n'est pas un débat de doctrine, c'est un débat scientifique. Après, le diesel, on a vécu le dieselgate, donc c'est sûr que tout le monde est un peu méfiant sur la capacité, enfin, le caractère polluant ou pas du diesel, le diesel en conditions de test, le diesel en conditions réelles de route. Et c'est un débat qui se réglera avec des c'est experts. Pas qu'un débat c'est scientifique. Vous comprenez les inquiétudes du ministère de l'Économie autour des emplois de la filière diesel? Bien sûr, je comprends tout à fait les inquiétudes économiques, mais la politique écologique, ça ne doit pas être la variable d'ajustement des politiques économiques. La politique écologique, ça doit être une ambition. Et après, il faut qu'on arrive à embarquer les filières économiques et les filières sociales, d'ailleurs, parce que derrière, il y a des emplois. Et il y a aussi des emplois à la clé dans les voitures hybrides, dans les voitures électriques, dans la transition énergétique. Donc vous n'avez pas le même langage que Bruno Le Maire, si je comprends bien. Non, on a les mêmes préoccupations. Après, c'est la manière dont on y répond. Mais cette question de l'emploi, elle se pose aussi, puisque le Sénat a repoussé d'un an l'interdiction des couverts en plastique avec le soutien du gouvernement. C'était encore Bruno Le Maire, puisque ça a été voté dans la loi Pacte. Est-ce que finalement, on a l'impression qu'au gouvernement, il y a un combat emploi contre écologie? Est-ce que l'emploi passe avant l'écologie? En fait, on a vécu pendant assez longtemps une opposition entre l'économique et le social. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait faire plutôt du social ou plutôt de l'économique? Maintenant, on arrive à un moment où il faut arriver à trouver l'équilibre entre écologique, économique et social. C'est pas facile à trouver, mais le ministère de l'écologie se défendra pour que l'écologie ne soit pas la variable d'ajustement de tout ça. Et après, c'est au cas par cas que ça se traite. Donc c'est un combat entre ministres, on a bien compris. Non, entre c'est vous, une discussion. Votre, c'est votre équipe vous avez de ministres dit, ça d'écologie. Ne se fera pas. Est-ce que et vous merci. Êtes sûr de gagner le bras de fer ah, c'est dans un le bras gouvernement de fer. C'est un bras de fer. Ça n'est pas un bras de fer. Si, c'est ben une discussion avec des enjeux qui sont légitimes des deux côtés. Et après, il faut trouver la bonne résultante. Si non, c'était des sujets faciles, ça serait. Votre message est bien si, c'est de dire que l'écologie n'est pas une variable d'ajustement. Oui, bah ça, je l'assume très bien. Ça, vous l'assumez. Donc, c'est bien une pierre dans le jardin de Bercy. Je suis désolé, hein, je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais c'est ce qu'on essaie de comprendre. Il y a une pétition également pour le climat, plus de 2 millions de signatures. C'est un recours juridique finalement contre l'État pour inaction climatique. C'est la première fois, c'est inédit, plus de 2 millions de signatures. Comment vous réagissez face à ça? Quelle est votre réponse finalement à cette énorme mobilisation citoyenne? Finalement, moi, je trouve ça plutôt bien qu'on ait 2 millions de personnes qui disent qu'il faut faire quelque chose pour le climat. Ça montre que la volonté que l'écologie ne soit pas la variable d'ajustement, c'est une volonté qui est partagée. Après, c'est une question qui est posée à l'État pour savoir si on agit assez vite et assez fort. Donc, ça ramène à la discussion qu'on avait. Il y a beaucoup d'actions qui sont engagées. On n'a pas parlé de la rénovation du bâtiment, par exemple, sur laquelle il y a des moyens à la fois publics et privés, beaucoup d'offres, la volonté de simplifier, de trouver la manière que chacun puisse en bénéficier. Donc c'est aussi une question d'appréciation. Mais à un moment, moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'on ne soit pas en opposition, les citoyens attendant tout de l'État, mais qu'on soit en travail en commun, qu'est-ce qui doit être fait par la puissance publique, soit en financement, soit en interdiction, qu'est-ce qui peut et doit être fait par les entreprises, qu'est-ce qui peut et doit être fait au niveau individuel. Alors, et comment est-ce qu'on rend les choix de transition écologique possibles? Ça veut quand même dire que les citoyens ne font pas confiance aux politiques pour régler la transition énergétique. Ça veut dire que les citoyens ne font pas confiance aux politiques tout court, parce que si on rediscute du grand débat, c'est quand même ce qui s'exprime très fortement, une très forte défiance des citoyens vis-à-vis des élus, des dirigeants, etc. Des élus locaux qui se mobilisent, hein. Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, qui a attaqué l'État pour une action climatique, et puis il y a 14 communes, 14 maires, qui vont attaquer Total pour des règlements climatiques, pour non-respect de l'accord de Paris. Hein. Une plainte devrait être déposée courant mars. Est-ce que vous soutiendrez cette action si la plainte est déposée? Moi, ce que je soutiens, c'est les contrats positifs territoriaux sur l'écologie. Je suis vraiment convaincue que la transition écologique, en fait, elle se fera sur les territoires, c'est-à-dire là où des élus, en général des maires ou des communautés de communes s'engagent pour transformer un programme national qui, certes, a des aides et des outils juridiques, mais qui est un peu loin des citoyens, en actions concrètes au bénéfice des citoyens. Donc moi, ce sont ces actions qui me paraissent vraiment intéressantes. Il y en a plein en France. Et pas les élus qui attaquent l'entreprise ? On peut toujours attaquer parce que c'est une forme de protestation, c'est aussi une forme de prise de conscience.
Mais pour moi, c'est plutôt la construction positive qui fera la différence. On en signe des contrats un peu partout. On est signé un à Montbard, en Bourgogne. J'en ai signé dans les Ardennes. Il y a des villes qui n'ont pas attendu de signer ces contrats pour s'engager. Je pense à Grenoble, par exemple. C'est cette démarche locale, je pense, qui fera la différence. Mmh. Je poursuis sur Total. 11,4 milliards de bénéfices en 2018. Total qui ne veut pas participer pour baisser le prix des carburants, malgré ces bénéfices très importants. Est-ce que vous trouvez que Total devrait faire un geste pour justement aider à cette transition énergétique? On a interpellé les grands producteurs d'énergie, en particulier de carburant, quand on trouvait que ça mettait un peu de temps entre la baisse du prix du pétrole, du baril sur les marchés internationaux et la répercussion à la pompe. Il me semble que Patrick Pouyanné a dit qu'avec Total Access, il avait mis en place un système qui permet de vendre avec des marges extrêmement faibles. Je pense que c'est important que chacun prenne ses responsabilités, entreprises, État et même citoyens d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites par les citoyens sans que ça leur coûte de l'argent, qui sont simplement des changements de comportement. Donc il ne faut pas demander un geste à Total. Il faut demander à Total d'être exemplaire comme n'importe quelle entreprise qui a une responsabilité et qui rend compte à ses actionnaires. Et moi, je rêverais que les actionnaires de toutes les entreprises, pas que de Total, demandent plus de comptes sur l'engagement de l'entreprise en matière de responsabilité sociale ou de transition écologique. Le PDG Total dit qu'il fait un centime de profit par litre d'essence et que donc il ne faut pas compter sur lui, hein, pour en tous les cas faire un geste envers les automobilistes. Ça, vous l'entendez. Vous venez du monde de l'entreprise. C'est ce que je vous disais sur le fait qu'il a aussi mis en place un réseau dans lequel il vend à des prix effectivement des marges très faibles qui s'appelle Total Access. Total Access, on va continuer avec Total. Décidément, ils sont dans l'actualité. Oui. Total qui a annoncé une découverte importante d'hydrocarbures en Afrique du Sud. Alors, c'est salué par le gouvernement d'Afrique du Sud, beaucoup moins par le gouvernement français. Brune Poirson a parlé de drogue dure. Nous devons réduire notre dépendance. Et le PDG Total lui a répondu hier. Il y a beaucoup de junkies en France. Beaucoup de Français veulent utiliser leur voiture et avoir de l'essence. Madame Poirson sont comprises. Que lui répondez-vous au PDG de Total ? Moi, je ne suis pas du tout dans l'invective, ce n'est pas mon tempérament. Aujourd'hui, il y avait encore un sondage qui est sorti aujourd'hui, il y a 40% des Français qui disent qu'ils n'ont pas d'alternative à la voiture. Tant qu'on n'est pas capable de trouver des alternatives, on est dans des débats de principe. Pour moi, l'enjeu, c'est qu'on soit capable de construire des alternatives au transport, mais aussi au chauffage, mais aussi à l'alimentation, qui permettent que chacun puisse vraiment s'engager dans la transition écologique. Après, on sait que l'utilisation des carburants, c'est l'un des principaux vecteurs de réchauffement climatique. Il faut qu'on arrête aussi vite que possible, ça nous ramène à l'urgence. Quatre dernières années sont les quatre principales années de réchauffement climatique, c'est les quatre années les plus chaudes depuis 1850. Donc ça ramène à la question de l'urgence. Mais pour moi, la question est d'arriver à rendre la transition possible pour les gens, notamment pour les personnes les plus modestes ou celles qui n'ont pas les moyens de voir les prix se renchérir, en proposant des solutions. Donc c'est par les solutions, pour moi, qu'on y arrivera. En tous les cas, vous êtes deux secrétaires d'État chargés de la transition écologique au sein du gouvernement. Oui, Brune Poirson et moi. Il y en a une de trop ? Bien sûr que non, quand on voit l'enjeu et quand on voit l'ampleur de la tâche, Brune est extrêmement investie. Vous ne marchez pas sur les pieds. Absolument pas, elle est très investie sur l'économie circulaire et c'est vraiment un sujet très important. Moi, je travaille sur les énergies renouvelables, sur les sujets nature. Non, je pense même qu'on pourrait être encore plus pour porter cette belle ambition. Donc, j'ai une question pas. Politique pour conclure, car on a appris avec nos confrères du Point, c'est une interview qu'il a accordée lui-même ce soir, que Ismaël Emelien, qui est un conseiller très proche du chef de l'État, un conseiller particulier, a décidé de quitter l'Élysée. Il a le titre de conseiller spécial, je vous l'apprends. Oui, je ne l'avais pas vu. Alors, on le découvre ensemble. Il part pour de nouvelles aventures. Est-ce que c'est, selon vous, le signe, effectivement, que, je ne sais pas, le chef de l'État est peut-être de plus en plus seul à l'Élysée. On a vu sa plume partir récemment, Sylvain Faure. Comment est-ce que vous réagissez à chaud ? Il y a des départs, mais il y a aussi des arrivées. L'arrivée de Philippe Grandjean a été annoncée il n'y a pas très longtemps. Qu'après, il y a un renouvellement des équipes quand on voit le rythme que... Bon, c'est pas signe de certaines turbulences ? Non, je ne surinterpréterai pas. Donc, pas de commentaire là-dessus. Ça annonce un renouvellement au gouvernement, peut-être, pour l'acte 2 ? Je crois que ça ne m'appartient pas comme décision. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous informe que le grand débat, Madame la Ministre, il a lieu également sur les chaînes parlementaires. Ainsi, dès jeudi soir, sur Public Sénat, à 18h, des sénateurs face aux citoyens. Et puis le mercredi de la semaine prochaine, le 20 février, ce sera sur LCP Assemblée nationale à 19h30. Donc le grand débat également sur les chaînes parlementaires. Et la semaine prochaine, c'est votre collègue en charge de l'environnement, de l'agriculture, Didier Guillaume, qui sera l'invité. Didier Guillaume, invité d'Audition publique. Bonsoir à tous.